Stafresh Morning. Stafresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Avant d'aller retrouver René Ruth, on a Urban Traffic. Gina, on nous annonce. Oui, donc on va faire le point Urban Traffic tout de suite. Et donc en ce qui concerne Urban Traffic, il y a un accident de la circulation au niveau de plein ciel qui perturbe considérablement la circulation donc d'Awenge jusqu'au PK6. Donc si vous êtes dans cet embouteillage, il va falloir prendre votre mal en patience. Si vous êtes encore au niveau de Sogatol ou de IAI, vous pourrez essayer de chercher une solution palliative. Donc, rentrer dans Mindoubé 2, peut-être essayer de tourner ou passer par là, là, là et fuir l'embouteillage. Dans tous les cas, les équipes des forces de police nationale sont présentes sur les lieux et procèdent à la fluidification de la circulation. Merci Gina. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafraîche. Comment ça va? Tu as bien passé le week-end? Tu as fait quoi? Le week-end, j'étais en famille, avec ma mère et tout, ma soeur, comme on restait ensemble, ça va, tranquille. Et tu te prépares pour le marathon du Gabon? Yeah. C'est le... Oui, le samedi, yeah. En fait, René Ruth, tu as des soucis. Hein. Tu vas courir? Oui. Le 5. Je vais mettre mes fonds en valeur, le collant. Le 5. Oui, le... Tu oui, vas le courir 5. En collant, hein? Dieu m'a mis ses formes en valeur, le courage. Aujourd'hui, on parle de quoi, Réveille? On parle de la recherche de l'épouse. Donc, comment se passait la recherche de l'épouse chez certains peuples. Et mes recherches sont tirées du livre Les peuples du Gabon occidental, tome 1, le cadre traditionnel que l'on retrouve à la fondation Araponda Walker. D'accord, alors on commence par quoi? Donc, on commence par ceci. On va dire que chez certains peuples du Gabon, on pouvait prendre la femme de diverses façons. Donc, dès que la femme d'un ami était enceinte, on pouvait manifester le désir de voir l'enfant à naître devenir sa femme ou celle de son fils. Les cérémonies de présentation, voire de dotation, étaient variées. Dans le milieu Mienenkomi, les peuples des Liwa, ce que nous conviendrons d'appeler fiançailles, était marqué par le passage d'un bracelet en cuivre au bras de l'enfant. Donc c'était un peu pour marquer le passage, pour décourager toute autre demande en mariage des futurs prétendants. Et ces préludes au véritable mariage ont une signification très particulière. Il s'agissait, en quelque sorte d'une réservation, d'une promesse publique de mariage. Dans le cas précis de ces épousailles qui consistaient à retenir d'avance pour un fils, un neveu ou pour soi-même un enfant en gestation, il était de règle d'affirmer ses intentions après la naissance. Donc la jeune fille était à moins d'une infirmation, la future épouse de celui à laquelle elle était destinée. On va voir après ce que devient l'enfant s'il sort garçon, parce que là on dit que c'est une femme, donc on peut déjà dire à l'avance que moi je veux que ça soit ma femme ou pour mon fils. On estimait que lorsque la jeune fille était mariée très jeune, l'adaptation à son mari et la vie en parfaite harmonie avec lui était plus facile. Donc elle pouvait aller de temps en temps faire des va-et-vient entre sa famille et la famille de son futur époux pour découvrir un peu les habitudes de ce dernier, pour solidifier sa future relation, son futur foyer. Donc elle partait à la rencontre des femmes qui connaissaient les goûts et les habitudes de ce dernier. Elle voyait ce qu'elle devait faire ou éviter pour vivre en bonne intelligence avec lui. Chez les femmes, peuple du Nord, la recherche de l'épouse était beaucoup plus l'affaire des parents. La famille du garçon s'accordait avec celle de la fille pour de futures épousailles. Quand le mariage était conclu, la jeune femme emmenait avec elle quelques cadettes pour... On va dire que ces cadettes-là avaient deux rôles. Donc, elles servaient de petites mères. Donc, elles secondaient leur sœur pour ne pas que, si elle décède, par exemple, elle et les enfants, l'enfant puisse ressentir la douleur. Donc, il avait autour plusieurs mères. Donc, ça fragilisait moins l'enfant. Et aussi pour que, s'il y a un mariage, ces cadettes pouvaient épouser un mari ou un cousin de leur beau-frère. Donc voilà pourquoi la femme chez les femmes partait avec ses cadettes. Ses secondes mères faisaient de telle sorte que l'enfant ne soit pas attaché à sa génitrice. Chez les peuples mienais, presque partout, les fiançailles étaient une affaire des parents. Donc la future épouse était toujours choisie dans une famille amie
ou connu de bonne réputation. Parce qu'il y avait des familles dangereuses, il était donc déconseillé d'en faire de beaux parents pour diverses raisons. On avait soit des démêlés avec les ancêtres du prétendant, on avait soit la stérilité des femmes de cette famille, ou tout autre vice ou maladie pouvant nuire au foyer et à la progéniture. Les parents de la fille n'acceptaient pas toujours d'emblée les propositions de mariage, surtout émanant d'une famille de mauvaise réputation. Donc, il n'était pas courant pour des parents avisés de livrer leur fille au premier venu. L'épouse n'était confiée qu'à des parents, à un homme honnête et droit, ce qui expliquait le nombre infime de cas de divorce. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de divorce. On dit qu'il avait le cas infime de divorce dans l'ancienne commune villageoise parce que le choix était collectif, donc c'était plus fiable. Maintenant, la parenté par dotation. On a dit que quand une femme était enceinte, on pouvait demander à ce que l'enfant puisse être la future femme d'un homme ou de son fils. Maintenant, dans le cas où c'était un garçon, par exemple, la société tolérait, on va dire que dans le cas où c'était un garçon, l'enfant mâle qui aurait fait l'objet d'une dotation par erreur, alors qu'il était encore au sein de sa mère, vis-à-vis de la partie contractante, était directement un ami ou un fils. Si c'était une fille, elle devenait la femme. Si c'était un ami, il devenait directement un fils. Maintenant, la société tolérait aussi le mariage entre femmes. La femme dotée. Non, c'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que tu penses, la fraîche. Il faut nous expliquer oui. Parce que le mariage entre femmes, même là, les auditeurs se sont seulement arrêtés pour dire qu'est-ce que vous racontez, Urban FM. La société tolérait le mariage entre femmes. Donc, la femme dotée par une femme devenait un enfant adoptif. Ce n'est pas qu'elle vivait ensemble comme mari et femme. Je t'adopte, tu deviens mon enfant. On ne devient pas mari et femme. Voilà. Donc, comme était le jeune homme doté par erreur par une femme, alors qu'il était en gestation, mais en général, la dotation des filles par des femmes survenait après la naissance. Donc, la fille ainsi dotée avait les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant propre. Donc, toi, tu pouvais adopter une fille. Et si, par exemple, tu es une femme, tu es stérile, que tu sois mariée ou pas, tu peux adopter une fille pour qu'elle te fasse des enfants et tu deviens ainsi le père de ses enfants. Pas que tu adoptes pour faire mari et femme. Donc là, maintenant, il y a une différence. Tu n'adoptes pas pour qu'elle soit ta femme, tu adoptes pour que, si tu es, par exemple, stérile, elle te fasse des enfants et que tu deviens légalement le père de ses enfants. Mais si et tu là, es marié, donc c'est ton que mari. Que tu sois mari, ou non, tu deviens, c'est toi qui épouses, tu demandes à ce qu'on te rende service, tu vas épouser, tu vas doter une femme pour qu'elle fasse des enfants à ton mari et ça devient tes enfants. Mm-hmm. Donc là, les enfants là t'appellent tata, mm-hmm. Donc père. Donc là, on avait des pères hommes et des pères femmes. Ça, vraiment, c'est mien et ouf. Donc, le 14 mars 1969, le feu président de la République, Omar Bongo Ondimba, adressait la circulaire suivante à tous les responsables civils et militaires. Il m'est donné de constater que les cas de détournement de mineurs généralement élèves des écoles, du fait des fonctionnaires, militaires, gendarmes et policiers, se multiplient à l'intérieur du pays. Aussi, si vous avez connaissance de débordements de cette nature commis par vos personnels, vous aurez dorénavant à les réprimer disciplinairement. En ce qui me concerne, les cas qui seront portés à ma connaissance feront l'objet de sanctions sévères. Et cette circulaire était suivie quelques mois plus tard par le vote d'une loi datée du 1er juin 1969 sur la protection des filles mineures. D'accord, ok. C'est Omar Bongo qui avait fait la circulaire, oui. Là. Oui. C'était un visionnaire. Il était visionnaire. Ouais. Donc il avait déjà. Il faut arrêter de marier les gamines. Les trucs. Ouais, ça c'était pas bon, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était. Mais ça n'a pas été modifié dans le code civil, hein, parce qu'avec l'accord des parents, une fille de 15 ans peut se marier, selon le code civil gabonais. Ça a été modifié, non ? Non, c'est pas encore modifié, ça. C'est toujours comme ça dans le code civil gabonais. Peut-être que ça va. Donc, si quelqu'un comme Colin, là où il est là, veut épouser une fille de 15 ans. Si les parents sont d'accord. Si les parents disent que Colin prendra. Est-ce que là, ils vont à la mairie, bien traditionnel. Mais c'est mariage traditionnel. Mariage tout traditionnel, dot et tout ça. Le code civil, c'est le truc de la mairie. Est-ce que le code civil, c'est pour la dot. René Ruth, c'était tout pour aujourd'hui? Oui. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On reste connecté. On se retrouve juste derrière avec 7h10 le matin.
Urban FM et les forces de police nationale s'associent et vous offrent Urban Traffic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Fresh morning.